Excusez-moi pour ce retard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez? Merci, ça va. Nickel. Votre incarcération vous a pas trop éprouvé? Non, ça va, je vous dis. Je suis plus solide que ça. Je regarde devant, pas derrière. Et si je peux, j'aimerais bien... Je voudrais bien, comme si qu'il n'y avait rien eu de tout ça. Enfin, si ça serait possible d'oublier le mal que je leur ai fait à mes petites filles. Puis les retrouver, m'en occuper... Attendez, on va y aller étape par étape, on va vous dire où on en est là maintenant, d'accord? Pendant votre détention, le juge a mis en place une assistance éducative en milieu ouvert pour aider votre femme à s'occuper des filles. D'accord. Ce qu'on appelle une AEMO, on a dû vous en parler. Parce que madame a un peu de mal à s'en occuper. À vrai dire, elle s'en sort pas vraiment. Ouais, je l'ai dit depuis le départ qu'elle était pas capable. Oui, alors en revanche, on va vous demander de pas faire de commentaires, si vous voulez bien. Pardon, désolé. Ah, c'est comme ça, je parle toujours trop vite. Très bien, alors, votre femme prend beaucoup de médicaments. Vous êtes au courant, ça? Oui. Donc, sachant que maintenant, elle est très régulièrement hospitalisée en psychiatrie, avec des épisodes délirants, et que donc, elle est dans l'incapacité de prendre soin de vos petites filles, l'AEMO est reconduite. Mais au domicile du père. Domicile du père? Oui. Bah, c'est chez vous, monsieur. C'est chez moi? Oui. Là, c'est pas... C'est pas une blague. C'est... Non, c'est vrai. Merci. Plus le temps que je l'attendais, celle-là. Merci. Écoutez, au moins, ça fait plaisir à voir. Vous allez y arriver, hein? Et comment que je vais y arriver? C'est mes princesses. Bien sûr. Elles auront tout, rien qui manque. Et je vais dorloter et... Voilà, tout ce qu'on peut rêver. Tout. On vous fait confiance? Oui. J'ai tout bien compris.